Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème donc du solstice d'été, ou plus communément appelé thème d'ingrès solaire en astrologie. Donc là vous avez ce thème d'ingrès solaire, c'est-à-dire qu'on établit au moment du solstice d'été, donc soleil au début du signe du cancer. Donc on peut le faire aussi, alors souvent on le fait aussi pour le solstice d'hiver, par exemple quand le soleil arrive en Capricorne. Et également pendant l'équinoxe de printemps, quand le soleil arrive dans le signe du bélier, et l'équinoxe d'automne, quand le soleil arrive dans le signe de la balance. Donc souvent, on dresse un thème pendant ces périodes-là pour indiquer, si vous voulez, au niveau de la saison, c'est-à-dire au niveau du trimestre, hein, qu'est-ce qui va un peu les énergies pendant ce trimestre, en fait. Donc là... Le cancer, donc ce serait pendant l'été apparemment, donc le solstice d'été correspondrait, si vous voulez, à la période donc d'été, juin, juillet, fin juin, juillet, août, septembre, hein, jusqu'à période au prochain équinoxe d'automne qui arrivera donc après dans le signe de la balance. Donc pendant les 3 mois, en gros, juillet, août, septembre, on a un peu l'influence, si vous voulez, de ce qui pourrait avoir dans le ciel donc actuellement. Donc après, c'est pas forcément des thèmes que tous les astrologues font. C'est vrai que parfois, ça peut être intéressant de le faire, mais ça remplace pas, si vous voulez, les transits ou d'autres aspects. Là, c'est vrai que c'est bien pour faire un peu au niveau général, un peu un récapitulatif, un peu un survol des énergies planétaires. Donc, c'est l'occasion d'en parler justement parce que on a donc c'est l'été, hein, le soleil vient de rentrer. Donc en cancer, comme vous pouvez le voir, hein, 0 degré 0, début de l'été, 21 juin, c'est la fête de la musique, en plus hier, voilà, donc il fait chaud, il fait beau, donc c'est la période souvent où en cancer, voilà, on a les émotions qui sont assez importantes, hein, pendant cette période-là. Alors on a toujours plus ou moins un côté émotionnel important, mais la période du soleil en cancer, on va, si vous voulez, l'énergie, la volonté, et dans ce signe, donc un signe beaucoup plus sensible, hein. Le cancer, c'est la sensibilité, l'attachement aux racines, à la famille, à tout ce qui aura rapport avec la mémoire, aux souvenirs, au côté qui peut être aussi un peu nostalgique aussi parfois. Donc on va être peut-être plus influençable à cette période, par exemple. Alors tout dépend après de la position de la lune, hein. Là on a une lune en bélier, donc pas trop, mais c'est vrai que... On est plus dans une période, voilà, un peu d'insouciance avec le cancer. On peut être un peu relâché. On est moins dans le sérieux du Capricorne, par exemple. Alors forcément, ceux qui sont Capricorne, on ne va pas dire qu'ils sont pas sérieux ou quoi. Mais il y a cette période où on a un peu plus, voilà, un peu plus de sensibilité. On est confronté un peu à ça, à des souvenirs, à des choses du passé, par exemple, qui reviennent. Des anciens, je sais pas, collègues, des gens qu'on revoit. Ça peut être plein de choses, hein, des trucs de famille, de... Voilà, donc, alors là, le thème, si vous voulez, donc là, ce qui est important, moi, je voulais revenir donc sur le soleil. Donc, si je clique dessus, vous voyez, là, il est en maison 11, on a vraiment sur la cuspide, là, qui est à 0 degré, là, donc comme le soleil. Donc là, on peut être dans une période... Donc, la maison 11 représente, si vous voulez, ce qu'on appelle la collectivité, donc peut-être des rencontres avec nombreuses personnes, donc ça c'est assez général. Alors c'est vrai que là je l'ai dressé donc pour Paris, hein. Si on dresse pour d'autres villes, c'est sûr que ça va un peu changer l'ascendant, enfin les maisons du zodiaque. Donc là l'ascendant est en Vierge à 1,12 degré pour l'heure de Paris, donc on est dans un côté un peu plus pragmatique et analytique avec la Vierge. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que, alors il y a un trigone Saturne, donc le côté sérieux il est quand même là, hein. Avec Saturne, on cherche quand même à se stabiliser, à être sérieux ou avoir un côté beaucoup plus pragmatique, dans le sens on peut établir par exemple, des liens importants dans une collectivité, par exemple, avec des groupes, des amis, des associations, des gens. Avec ce Soleil Saturne là, c'est un aspect dissocié. C'est vrai que Saturne il rétrograde, donc c'est un aspect qui est pas très fort, on va dire. Hein, c'est pas dans des signes, là, le soleil passé, quand il était en Gémeaux, c'était encore, on va dire, assez présent, là, il s'éloigne un peu, hein. Soleil en cancer, bon, il est encore marqué, mais c'est dans des éléments, vous voyez, hein, O, R, O en bleu, là, le cancer, signe d'eau, et Verseau, signe d'air. Donc c'est vrai que c'est... Et comme Saturne rétrograde, forcément, l'aspect se défait
l'orbe commence à être élargi, hein, 25 degrés à zéro. Voilà, donc bon, il y a encore, on va dire, cet aspect-là qui est présent. Et les autres aspects présents, alors je vais revenir dessus, assez important. Donc là, déjà, on a un carré avec la Lune. Hein, si on voit bien, Soleil, carré, Lune. Une Lune en bélier, donc des émotions fortes, des émotions qui ont besoin d'action, des émotions décuplées avec la conjonction à Jupiter. Donc beaucoup d'émotionnel, on peut être à cette période assez sensible aussi en même temps, donc très un peu perturbé, un peu comment dire, un peu dans nos dans notre imaginaire en fait, il y a une dichotomie entre, vous voyez, le pôle féminin, lune, soleil, hein, femme, homme, mère, père, et en même temps la lune est décuplée avec Jupiter, hein, parce que Jupiter amplifie le carré. Donc là, Soleil carré Jupiter, forcément, ça donne un peu d'orgueil, de vanité, un peu trop de confiance en soi, un peu trop d'aisance, un peu trop de sûreté, et qui fait qu'on peut peut-être être un peu envahissant, par exemple. On peut, à cause de nos émotions, hein, Soleil carré Soleil Jupiter, là, et aussi, on peut aussi être un peu, comment dire, voir un peu trop en grand avec Soleil Jupiter. Donc il faut faire attention parce que. Donc, par exemple, ça peut être pour des relations, ça peut être là en maison 8 pour des questions de dépenses. Donc, faire attention, par exemple. Alors là, je parle vraiment de général, hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est, je veux dire, ça peut ressortir. Il peut y avoir des dépenses, comme c'est l'été, voilà, il peut y avoir des dépenses pour des voyages, des vacances, par exemple, tout au long de cet été. Donc, attention de pas trop. Avec l'inflation, ça, il peut y avoir un peu. Comme c'est le beau temps, voilà, on est un peu insouciant, donc il peut y avoir un peu ce côté relâchement et qui fait qu'on peut surestimer un peu ses capacités ou voilà. Donc attention avec ce carré. Donc sur le plan mondial, c'est vrai que ça peut être aussi des problèmes économiques, hein. Il y a toujours ce problème qu'on est dans une grande difficulté économique avec un probable, donc en récession, enfin on est en récession, hein, officieusement, parce qu'on nous annonce que ce sera en 2023 la récession officielle, mais elle y est déjà, hein, rassurez-vous, si vous écoutez des vrais économistes, pas ceux de BFM, vous saurez qu'on est vraiment en récession et donc on est proche aussi d'un krach économique qui nous pend au nez donc depuis longtemps, on va dire. Donc, depuis le Covid déjà, il était assez fort, il y a une période de récession déjà pendant l'année 2020, mais qui a pu se redresser suite au fait qu'il n'y a plus eu les confinements, donc c'était pendant les confinements, mais donc l'activité reprend, mais en même temps, voilà, on voit que la dette est forte, qu'il y a plein de choses par rapport à l'inflation, tout ça, les taux d'intérêt qui remontent, etc., etc. Et comme je vous ai parlé, donc le carré Saturne-Uranus qui est toujours présent, hein, qui va se reformer en fin d'année, pour moi, ça sera peut-être à cette période-là qu'il y aura sans doute le krach. Alors il peut arriver entre maintenant et fin d'année, voire début d'année prochaine. En tout cas, on voit qu'en France, enfin, on en reparlera à la rentrée, mais ça va être une rentrée assez chaude et assez conflictuelle au niveau social. Voilà, donc je pense notamment la période la plus marquante sera début d'année 2023, hein, à partir de février-mars, par exemple, avril. Dans ces eaux-là, je pense qu'on reviendra là. Moi, ça me parle. On reverra par rapport aux aspects. Bon, pour l'instant, je parle de l'été, on n'y est pas encore. Alors, on voit aussi, donc, au niveau des législatives, j'avais oublié de parler, que le parti de Macron, donc Ensemble, là, a eu la majorité, donc, mais pas absolue. Donc, il s'est pris une gifle parce qu'il y a eu, comme j'avais souligné, l'alliance, donc LFI, les socialistes, écolos, etc., donc la NUP, qui a fait un bon score. Donc on avait vu dans le thème de Mélenchon qu'il risquait de faire un bon score. J'avais dit qu'il y avait possibilité de, alors pas forcément battre Macron, mais de faire un bon score. C'est ce qui est arrivé. Et aussi le RN, qui est le premier parti d'opposition de France, avec 89 députés, 89 sièges, hein, même devant LFI, si on prend le détail. Hein, alors c'est sûr que la NUP est en face et devant. Mais si on détaille LFI, le PS, les écolos, les divers, etc. Donc le RN est devant. Ensuite, bah, on a les Républicains. Alors eux, les Républicains, forcément, ils vont s'allier, comme vous avez pu l'entendre, sans doute avec Ensemble, donc la République en marche là. Donc c'est ce qu'il y a à craindre, par contre, pour avoir la majorité absolue et faire passer les lois. Mais en tout cas, bon, c'est pas assuré pour l'instant. Et donc ça risque d'être assez le bazar parce que s'il n'y a pas la majorité, bah forcément ça peut créer des problèmes pour faire passer les lois. Alors peut-être des 49-3 beaucoup
qui seront passés en force, on verra. Mais ça pose vraiment, ça inquiète. On voit l'Union européenne qui veut bah, forcément passer des lois comme ça. Alors, par exemple, la retraite à 65 ans, hein, qui insiste dessus. Mais là, si c'est, ça peut être bloqué, là, il peut y avoir des. Alors, pour ça, ça craint peut-être des gros problèmes pour gouverner, comme ils disent. Alors, on va voir d'ici la rentrée, mais je serais pas étonné. En tout cas, s'ils arrivent à avoir enfin, qu'importe le résultat, je vois quand même des grandes difficultés. Dans les deux sens, ça sera des difficultés, parce que ça va bloquer, si vous voulez, pour faire passer les lois, donc ça va être le bazar. Et s'ils passent les lois, s'ils y arrivent avec la majorité, avec l'alliance, là, bah, ça va être aussi le bazar, parce que forcément, ils vont faire passer des lois à liberticide, passe vaccinal, avec la quatrième dose, là, généralisée pour le pays à la rentrée. Ils parlent de ça, retraite 65 ans. Voilà, enfin, etc. Donc, ouais, il faudra s'attendre quand même à des violences sociales, comme je vous ai dit, pour la rentrée début d'année prochaine, hein, ça c'est clair. Voilà. Alors, l'autre événement important, donc, on a Vénus, donc, qui est en taureau, là, il termine son passage en taureau, hein, il y était depuis quelques semaines, là, en taureau, voire plusieurs mois d'ailleurs, un mois, je sais plus la date exacte, il faudrait que je reprenne. Et là, il va passer en Gémeaux. Donc, il va passer en Gémeaux, donc prochainement. Donc là, du 23 juin au 18 juillet, hein, Vénus en Gémeaux. Donc voilà, pratiquement un mois, 3 semaines, un mois, donc de passage de Vénus en Gémeaux. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, des sentiments, de tout ce qui a rapport avec la beauté, l'esthétique, le charme, etc. En taureau, il était en domicile, donc voilà, on voulait s'enraciner par exemple dans l'amour, on était beaucoup plus dans une position un peu plus calme, stable au niveau affectif peut-être. Et là, il y a peut-être une recherche plus comment dire, de communication, d'échange à travers des situations sentimentales, par exemple, amoureuses, ou même tout simplement dans les relations, on va dire, diverses et variées. En tout cas, on va rechercher beaucoup plus la communication. Donc la séduction passera par exemple par là, hein. Moins par les plaisirs terrestres ou le côté stable, le côté très confortable et on va dire très voilà, très ancré du taureau. On va passer plus à un côté un peu plus léger. Donc voilà, alors dans certains cas, ça peut être des relations un peu éphémères, des relations un peu plus légères, des flirts, on dit souvent, ou voir des doubles relations. Après, c'est pas toujours le cas, hein. Faut voir forcément les thèmes de chacun, mais on va être un peu plus voilà détendu, léger, joueur, et on peut jouer un peu avec les sentiments aussi parfois. Ça peut être ça aussi, alors pas forcément le mauvais terme, mais plus dans un sentiment de flirt, voilà. Alors les aspects, bah voilà, on a un carré de Saturne, hein, qui est toujours présent, donc là ça bloque un peu au niveau sentiment, c'est-à-dire qu'on est un peu dans une période un peu plombée, on avait Mercure avant, maintenant c'est Vénus, donc sentimentalement on peut se sentir un peu plus froid, on exprime moins ses sentiments, on peut avoir des blocages aussi amoureux où l'affectivité n'est pas vraiment de mise à cette période, alors quand elle va passer en Gémeaux forcément, bah, ça va se relâcher, hein, la planète va avancer plus vite que Saturne, donc forcément... Si vous voulez, les sentiments, le fait de parler, voilà, on va peut-être un peu plus être chaleureux, on va dire. Il y aura moins ce côté de lourdeur, de froideur dans les sentiments, pardon. Donc là, ici, on voit il y a un carré à l'ascendant, donc à la maison 7, hein, forcément par axe. Donc la 7, ça représente quelque part la Vénus, hein, parce que c'est la planète symbolique de la maison 7, liée par la balance, hein, septième signe. Donc quand on a une Vénus carré à 7, bon ça c'est général, mais on peut être pas en phase avec les autres au niveau sentimental. Donc il peut y avoir une dichotomie à ce niveau-là. En revanche, il y a des bons sextiles, donc on voit Lune et Neptune. Donc il y a quand même des sentiments empreints d'harmonie. On recherche quand même l'osmose, encore une fois, avec une sorte de dynamisme. Hein. Il y a du dynamisme affectif, qui permet de booster un peu là cette Vénus en taureau qui après va passer en Gémeaux, donc qui va donner un peu plus, on va dire, d'optimisme avec après le sextile à Jupiter. Donc on va se sentir beaucoup plus on va dire plus chaleureux, plus jovial peut-être, plus aimant, et plus dynamique aussi et communicatif forcément dans les sentiments.
Donc on va sortir peut-être un peu en moins une phase un peu de d'austérité, enfin de tristesse ou de morosité, et on va sortir peut-être un peu plus léger. Voilà, donc déjà au niveau effectif, ça sera un peu mieux. Et en plus, il y a un trigone à Pluton là qui se termine, donc il y a toujours un peu d'intensité au niveau de la relation, on veut des relations authentiques et profondes. Donc ça, c'est bien à cette période-là. Voilà, mais ça va se relâcher aussi malheureusement avec Vénus qui va avancer plus vite, hein, quand elle va arriver en Gémeaux. Alors tout ça dans la maison 10, donc peut-être à travers les relations sociales à l'extérieur, par les sorties, aussi pour le travail. On peut faire par exemple des relations, on peut avoir des relations liées avec le travail, la profession. Donc on peut avoir voilà ce pourquoi pas faire des rencontres dans ce cadre-là, mais là ça reste très général, hein, bien sûr. Et donc, le troisième, on va dire, événement important que je voulais parler, c'est le passage rétrograde de Neptune. Alors, c'est important parce que, donc, il a lieu du 28 juin au 4 décembre. Donc là, à la fin de, enfin, la semaine prochaine, début de semaine prochaine, donc mardi 28, Neptune passe rétrograde, et ce jusqu'au 4 décembre. Donc, il va reculer. En poisson, là, pas beaucoup, hein, quelques degrés, hein. Et il va revenir direct donc le 4 décembre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Neptune rétrograde, en fait, Neptune, c'est tout ce que la planète de l'impalpable, tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on espère un peu. Il est en domicile, toujours en poisson, forcément, donc il est bien, il est dans son élément, mais en rétrogradation, il peut donner, si vous voulez, un côté. Où on doit revenir sur notre façon de concevoir les qualités de cette planète. C'est-à-dire, ça permet de revoir notre spiritualité, revoir nos espoirs, nos attentes, tout ce qu'on rêve. Souvent, ça peut donner plus de conscience à travers tous ces domaines. On peut rechercher plus de conscience. Et cela peut se traduire, par exemple, souvent on dit par des périodes de retraite. Donc on peut, par exemple, se mettre dans des groupes qui sont plus en harmonie. Alors je sais pas, moi, des groupes spirituels. On peut se retrouver un peu, voilà, un peu en marge, un peu comme les hippies, vous voyez, ou se mettre dans un contexte par exemple, de vivre un peu en marge. Ça peut être des périodes comme ça de retraite spirituelle en fait, un peu ça représente un peu la carte de l'ermite si on voulait un peu au niveau du tarot. Donc voilà, il y a une recherche intérieure qui est faite à ce moment-là, et ça peut être voilà, ça peut être propice pour aussi des musiciens, pour par exemple revoir des au niveau musical, par exemple je sais pas moi, des compositions, revoir des choses. Peut-être au niveau artistique, pourquoi pas, enfin revoir des choses qui sont dans ce domaine-là. Donc la rétrogradation, c'est ça, c'est toujours une réactualisation. On revient en arrière sur les choses et on. Donc là, souvent, les périodes de retraite peuvent être idéales à ce moment-là. Essayer de se retrouver sur d'autres valeurs en vue d'établir peut-être par la suite d'autres choses, hein. Que ce soit une composition musicale ou se mettre dans un groupe pour développer, je sais pas moi, un groupe d'autonomie, vivre un peu en marge et. Vivre un peu hors du système, par exemple. Donc, ça peut être bien à cette période-là voilà, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, de se retrouver, voilà, des choses comme ça. Alors, après, tout autant, encore une fois, c'est compliqué, astrologie, c'est pas toujours blanc ou noir, forcément. Il faut voir les aspects. Donc, là, c'est vrai qu'avec ce thème d'ingrès solaire, on a des bons et des mauvais aspects, comme toujours. Donc, là, il y a un carré, si vous voulez, avec le soleil, hein, pareil, un carré dissocié. Hein, qui va s'éloigner, donc bon, il ne va pas être fort, mais ça peut donner un peu de désillusion. Si on peut voir aussi, peut-être un peu trop empreint d'attente et d'espoir. Alors pour l'instant, peut-être attendre un peu, prendre son temps. Le carré lune noire, bon, ça c'est beaucoup plus psychologique, on va dire. On va pas rentrer trop dans les détails, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Et sextile Vénus, ça c'est bien pour les sentiments, donc comme je vous ai dit, sentiments empreints de fusion, d'harmonie. Voilà, les sentiments sont sublimés là avec une belle Vénus sextile Neptune, là c'est beau. Mais c'est pareil, c'est un aspect qui va s'en aller, donc faut en profiter jusqu'à fin juin. Sextile Pluton, ça c'est un aspect générationnel, voilà. Donc ouais, non, c'est vrai que là Neptune n'est pas trop mal. Donc c'est cet aspect-là qui est important de voir.
Alors, je ne vais pas faire toutes les planètes, on a toujours Mars en bélier, Jupiter, Uranus nonant en taureau, etc. Et voilà, donc c'était pour vous donner un peu le climat un peu de l'été. Donc, peut y avoir un climat, alors un peu de chaleur, voire un peu d'énervement, hein, forcément, hein, avec ces planètes en bélier, hein, faut pas oublier, il y a quand même des carrés qui se forment, notamment au soleil, lune noire, toujours dans le ciel. Donc attention aux violences, attention à tout ça. Hein. Pendant l'été, on verra les incendies, ça peut être tout ça, forcément, à l'été, c'est souvent le cas, mais ça peut parler vraiment là de choses assez importantes qui peuvent se propager avec un Jupiter en bélier. Ça me fait un peu peur, par contre, parce qu'il faut faire gaffe en 8 comme ça, donc ça peut être des décès, par exemple, de masse, par exemple, avec par exemple, des vagues de chaleur. S'il y a une grande canicule, comme j'ai parlé, comme en 76, 2003 et 47, qui se répète là, attention, pendant cette période-là. Donc un été peut-être assez risqué. Là, je pense par exemple, alors je prends un exemple, hein, on a vu bon, les feux qu'il y a pu y avoir dans le sud-ouest, les choses comme ça, avec les vagues de chaleur, peut-être des problèmes d'insolation, il y a aussi les catastrophes naturelles forcément avec Neptune en poisson, donc il y a eu quand même aussi au niveau climatique voilà, des violents orages, on a vu, c'était même apocalyptique. Moi j'ai vu chez moi, il y a eu des nuages noirs qui arrivaient à toute vitesse, qui ont disparu. C'est arrivé d'un coup, quoi, c'était vraiment imprévisible. Alors forcément, ça c'était avec Uranus. Tout ce qui a rapport avec Uranus, c'est l'imprévisibilité. C'est vrai que là, il est pas forcément en aspect fort. Alors oui, il y a peut-être un semi-carré qui se forme. C'est vrai qu'il y avait un semi-carré, on peut dire, un peu avec Neptune, qui fait que ça peut créer si vous voulez, des violences soudaines de climatiques, hein, donc les orages, les grêlons, qui ont fait quand même des destructions assez importantes. Moi j'ai vu là, donc pas loin de chez moi, dans le à Ouistreham, là dans le Calvados, il y a un surfeur qui a été mort parce qu'il a été projeté. Ça s'est levé d'un coup, on a vu les images, on a pu voir les images à la télé. C'était projeté d'un coup par les vagues et propulsé contre un restaurant et il est mort sur le coup. Voilà, donc les gens étaient sur la plage tranquille et d'un seul coup ça s'est levé. Moi j'ai vu ça aussi, le soir ça s'est levé d'un coup, c'était assez impressionnant. Et ça arrivait par vagues tellement qu'il a fait chaud, c'était même pas un orage, c'était des vents violents qui s'est levé d'un coup. Et là, bon, il y a eu des orages, enfin c'est tombé d'un coup. Dans cette partie-là de la Normandie. Et sinon, bah, dans le sud-ouest, on a eu aussi par exemple, le Hellfest, où il y a, alors je fais une parenthèse dessus parce que j'aime bien tous ces types de musique, rock, metal. Et là-bas, donc, il y a eu, je crois, 800 800 interventions. Enfin, c'était énorme parce que c'était pendant les grandes périodes de chaleur, là, pendant le week-end, là, qu'il y a eu le week-end dernier, là, vendredi, samedi, dimanche. 800 interventions, forcément ils sont tous massés, nassés, ils sont tous groupés là-dedans, et il a fait hyper chaud, ils sont en tente. Enfin, alors même s'il y a eu des brumisateurs qui allaient sur 60 mètres de long, des grands tuyaux d'arrosage qui arrosaient la foule en permanence, ça n'a pas empêché les malaises, quoi. Et c'était vraiment, c'était vraiment l'hécatombe, voilà. Alors, il n'y a pas eu des morts, forcément. Enfin, je sais pas ce qu'il y a eu comme bilan, mais je sais qu'il y a eu 800 interventions à l'hôpital. Il y a eu besoin de renforts et tout ça. Et là, ils reprennent donc le week-end prochain, donc à nouveau. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, le 23, 24, 25, 26. Donc, attention, parce que là, on voit que la chaleur, bon, elle reprend un peu. C'est peut-être pas aussi fort que la semaine dernière, mais bon. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention pendant ces périodes-là. Alors après, juillet, août, encore plus, on va voir hein, si ça revient. Voilà, donc petite vidéo pour parler de tout ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, toujours partager, vous abonner, c'est important. Et puis vous pouvez me consulter, prendre des cours si vous voulez, pour apprendre l'astrologie, si ça vous intéresse. Vous pouvez me faire un don PayPal. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.